It's the most wonderful time of the year. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant en berceau. » Qué hermosa te ves de rojo, abuelita. Gracias. ¿Dónde está tu hermano? J'ai vu Jorgito aller allumer un cierge. Oh. Si tu le dis. Tu viens? Alors, ta sieste était bonne cette année, papy? Fantastique. J'ai su qu'il n'y aurait plus personne au moment où le père Battista est monté faire son Amélie. Au moins, tu seras bien reposé ce soir. Prêt à recevoir toutes mes tillas, même si la moitié ne sont pas vraiment mes tantes. C'est pour ça que j'aime cuisiner, justement. Quand on est au fourneau, on n'est pas obligé de parler à qui que ce soit. D'ailleurs, il se trouve que j'ai une mission top secret pour toi. Et si tu l'acceptes... Le vin. Le vin, oui. Et je veux récupérer la monnaie. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. J'ai quelque chose à dire, je ne veux pas dramatiser, mais ton père essaie de me tuer. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Mon père est un ange. Ton père est un pervers. Quand j'étais sous la douche tout à l'heure, il est arrivé en essayant de... Ben, on est à la veille de la naissance de Jésus, je n'ose même pas le dire. Il est chaud, papy. Disons qu'il est plutôt chaud pour faire une mauvaise chute dans la douche, papy, et de finir à l'hôpital. Tu crois qu'il veut te tuer avec un petit coup sous la douche? Soucia, pourquoi je m'évertue à te parler? C'est pas vrai. Comme tu dis, oui. Papy, il y en a au moins une qui tire un coup ici. Qu'est-ce que t'entends par là? Arrête, je sais reconnaître quand c'est la misère. Tu veux que je t'offre un vibromasseur? Stop, prends tes tortillas et va-t'en de la cuisine. Deux pour un au palais du plaisir. Deux pour moi, un pour toi. Je dis ça, je dis rien. Mais où est-ce que t'as appris à compter? Non, si t'es tu le dis. Incroyable. C'est pas le sujet. Dégage. Ah, bonsoir. Je peux vous aider? Oui. Vous avez un bon Bordeaux rive droite 2010 ou 2012? Oh, un homme qui sait ce qu'il veut. Veuillez me suivre. C'est pour un dîner chic. On n'est pas obligé de discuter. C'est pas votre faute, c'est que j'aime pas faire la conversation. La société dans laquelle on vit nous pousse à faire semblant d'être poli parce qu'on a une peur bleue du silence. Oh. Et le silence, c'est bien? Bien sûr, oui. Ça me va, une transaction silencieuse. Silencio.